Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on termine le week-end et on commence la semaine en faisant notre premier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est le Bit Trading. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold et bien sûr les dérivés du Bitcoin, donc les contrats futurs du CBOE, du CMAI, l'ETF, du Grayscale, donc le GBTC et le AMY XBT qui est l'indice Bitcoin de Wall Street du New York Stock Exchange. Donc voilà, bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc bien évidemment le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rendre variable comme étant ici le Bitcoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, contrat futur du CBOE, du CMAI, ETF, du BTC et le NYXBT. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussée. Rappelez-vous, volatile, à rendre variable, et maintenant on est dans un bear market. Ok, donc sachez avoir un truc sous la manche, et ce truc c'est quoi? C'est le short. Donc sachez apprendre à comment on short les marchés et aussi à comment vous pouvez être là et protéger votre capital dans cette descente et ayez vraiment un bon système et une bonne stratégie mise en place maintenant pour vous éviter le suicide et sauter par la fenêtre et la ruine et la catastrophe. Ok, donc voilà, et bien évidemment méfiez-vous de tous ceux qui viennent avec des promesses de retour impossibles, incroyables et des stratégies gagnantes à tous les coups. Et donc voilà, donc méfiez-vous-en. Maintenant il y a énormément de ce genre de choses sur internet, et d'un autre côté aussi on est tous victimes des hacks, des tentatives de hack au quotidien. Il y en a encore eu un il n'y a pas longtemps, donc c'était Binance, je crois qu'on en a parlé hier. Et donc voilà, donc sachez aussi que mettez vraiment dans les exchanges, dans les wallets, ce que vous êtes capable de perdre. Donc là, revenez sur terre et soyez réaliste. Et là, je le répète tout le temps, hein. Certains se fâchent avec moi, mais personnellement, je m'en fous. Lorsque je dis ça, c'est la réalité. Les rêves de Lamborghini, de super villa, d'aller vivre aux Bahamas, mettez ça de côté. Ici, réellement, c'est un outil, et donc utilisez ça pour ce que c'est. Et donc, ne mettez que ce que vous êtes capable de perdre. Donc, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez vous permettre. Ok? Donc, voilà. Donc, faites ultra attention à ça. Restez réaliste. Jouez là malin. Ok? Donc, là, voilà. Bien évidemment, toutes ces vidéos, vous les aurez sur le canal YouTube, donc le Trading Watches TV. Et bien évidemment, aussi à travers la page internet, donc le 3xw.jctune.com, vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes solutions et les services que l'on offre ici. Donc voilà, news ici pour tous ceux qui sont souscrits au Global Crypto Research et tous les insiders, donc tous ceux qui ont les vidéos modules, rappelez-vous, donc là c'est le bonus que vous avez durant cette année 2018. Le Global Crypto Research, là la vidéo 1 arrive ce soir, donc normalement juste après ici cette vidéo ici, dans la soirée. Là, donc aujourd'hui dimanche, vous allez recevoir la première vidéo. Donc là, c'était actualisé. Donc il y avait pas mal de choses encore qui étaient en train de m'arriver de par certains de mes insiders. Donc des super gros trucs qu'on a rajoutés, que j'ai remodifiés, j'ai remis des nouveaux graphiques et ainsi de suite. Et donc là, je suis vraiment satisfait du rapport. Et donc là, voilà, on va commencer à le publier petit à petit. Vu que avant de le publier encore une fois, avant de refaire la vidéo, je refais un nouveau check pour être sûr que tiens, voilà, que c'est vraiment la qualité optimale. Ouais, que je prends mon temps. Pourquoi? On va sérieusement avec l'argent, on ne rigole pas avec l'argent. Donc moi, je fais les rapports réellement comme si c'était le dernier rapport que je faisais, et vraiment c'est ça, vu que ça apporte un plus à tous ceux qui sont en train de suivre cela et tous ceux qui ont souscrit à ça. Donc il y a un prix, et ce prix il doit y avoir de la valeur ajoutée. Donc là je suis minutieux dans ce que je mets dedans, et il doit toujours avoir un apport et on doit être au top de ce que l'on est en train de faire au niveau de nos analyses et nos recherches. Donc le Global Crypto Research, enfin là c'est prêt. Et donc là, je vais commencer à valider chacune des vidéos, donc chaque jour, donc là, vous allez le recevoir, ok? Donc de toute façon, ça va être mis ici, ça va être fait, ça va être commenté au quotidien, donc ne vous inquiétez pas, ok? Donc voilà, maintenant, on va commencer tout ce qui était news, on a donné le tout hier, donc là, un grand merci à Nadi et à tous les autres qui participent au niveau des news, donc Johan, Patrick Pat, et ainsi de suite. Donc là, on aura d'autres news à partir de demain, lundi, et pendant tout le reste de la semaine. Donc venez vraiment regarder ce qu'on a en archive dans le canal et dans la section commentaires, il y a toujours des news qui sont rajoutées tout le temps. Donc voilà, profitez-en. Donc on y va. Donc ici, on va se focaliser premièrement sur tout ce qui est la market cap. On va faire le point ici au niveau du Bitcoin Cash et du Bitcoin Gold. Et ensuite, on ira à l'analyse technique au niveau weekly sur tous les, avec toutes ces différentes classes d'actifs. Donc ici, on est où? On est à Coin Checkup. Qu'est-ce que l'on voit? La market cap. Donc numéro 1, allons jeter un œil sur la market cap. Qu'est-ce que l'on voit réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? Et on va faire quoi? On va revenir sur un trimestre. Donc on va revenir sur la dernière période de 3 mois. Hop là, excusez-moi.
Voilà, dernier 3 mois. Et on va commenter un peu ici ensemble ce que l'on voit, ce que l'on suit. Voilà. Donc là, on a ceci. On va prendre notre outil pour dessiner. Qu'est-ce que l'on voit, nous, concrètement? On est où ici? Vous voyez qu'on a ici quoi? Non, attendez, on va changer de couleur. On va prendre une couleur avec laquelle on a un meilleur contraste. Voilà, celle-ci, ça on efface. Qu'est-ce que l'on a premièrement? On a les 250 milliards. Vous voyez qu'à un moment donné, on a été en dessous. C'était quoi? Quand on était en dessous des 250 milliards, c'était lorsque le Bitcoin était en dessous des 6000. Depuis là, vous voyez on est en train de remonter. Donc là, on est ici et vous voyez qu'on est en train d'osciller entre les 250 milliards de dollars et les 300 milliards de dollars. Donc là, on est à mi-chemin. Donc c'est quoi ici? On a 50 milliards de dollars de spread ici. Donc à mi-chemin, ce serait quoi? Les 275 milliards. Donc vous voyez que maintenant, on est exactement aux 277 milliards. Donc on est là, on oscille. Et vous voyez qu'on a quoi? On se dirige tout doucement vers les 300 milliards. Donc là, c'est notre niveau de résistance. Vous voyez que ça, on a, comment dirais-je, dans le canal baissier dans lequel nous étions, bah là, c'était ici un point de rejet. Donc vous voyez ici à chaque fois tous les points de rejet que l'on a depuis les hauts max ici. Hein. Donc ça, c'est 2018 ici exactement. Et là, maintenant, bah, on y arrive. Donc là, maintenant, attention à ce qui va réellement se passer ici à ce niveau. Donc ça va être très 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 important ce qu'on va voir se passer ici aux alentours des 300 milliards de dollars. Pourquoi? Si on arrive à perforer cela et on arrive à être réellement haussier à ce niveau-là, bah tiens, on peut se dire ici on peut commencer à aller vers les 325 milliards, les 350 milliards et aller plus haut. Si on rejette ces niveaux-là, eh ben là ça va quoi? Ça va mettre encore bien plus de pression au niveau de la baisse et là on va pouvoir accélérer bien plus rapidement. Ok, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à commenter, mais ici c'est pour avoir ce suivi au niveau de la market cap que l'on a tout le temps. Et rappelez-vous, pour chaque dollar qui est en train de rentrer dans la market cap, donc dans l'écosystème crypto, 42 cents vont vers le Bitcoin, vu quoi ben, sa dominance. Ok, donc là c'est ça, on voit la dominance du Bitcoin, 42%. Donc si je mets 1% dans, enfin s'il y a 1 euro qui rentre dans le 1 euro ou 1 dollar qui rentre, eh ben, les 42% vont dans le Bitcoin. Donc ça nous fait quoi? Une histoire de 42 cents et des poussières. Alors maintenant allons voir ce qui se passe. La situation de Bitcoin, on est aux 6800. Vous voyez qu'on se rapproche plus ou moins des 7000. Vous voyez que dans toutes cette semaine-ci, on était aussi, on est haussier partout. Et même au niveau horaire, on est flat, mais on redevient aussi, on reste dans le positif. Et on voit ici le patron. Vous voyez le patron, c'est quoi? Un patron horizontal et on décolle tout doucement. On décolle de manière timide du support. Market cap 117 milliards de dollars. Bitcoin Cash, pareil, on est aux 770 dollars US et on est dans le vert partout. Et là, vous voyez qu'au niveau du patron, ici weekly, on décolle aussi timidement du support. Market cap 13 milliards de dollars. Et le dernier Bitcoin, nous, c'est quoi? C'est le Bitcoin Gold. Où es-tu? Où es-tu? Où apparais-tu? Voilà, ici dans le top 30, 30 dollars US. Les mêmes patrons, donc de l'horaire à l'hebdomadaire, on est pareil ici, il y a un peu plus de volatilité. Vous voyez que le patron ici a une inclinaison. On est vraiment en train de faire un canal haussier. On va dire, on avait commencé par un point bas, mais on est dans un mouvement horizontal. Pourquoi? On est entre la résistance que vous voyez ici et le support ici que l'on pointe là. Donc on est vraiment dans le même patron, sauf qu'ici il y a un peu plus de volatilité. Market cap au-dessus du demi-milliard. Donc demi-milliard, c'est exactement les 519 millions de dollars. Donc voilà. Alors maintenant ici, on va aller directement à l'analyse technique. Donc là, on a ceci. Et comme vous le voyez ici, on a le Bitcoin. Et on va récapituler un peu pour voir un peu ce que l'on voit. On est directement ici dans notre graphique weekly, vous voyez, avec les graphiques journaliers, c'est ce que l'on regarde au quotidien. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On voit clairement le canal baissier, donc vous voyez les hauts. Attendez, on va remettre ça en perspective, comme ça on sait de quoi on parle exactement. Voilà. Les hauts qui étaient ici, donc les fameux 20 000 ici. Et vous voyez que depuis là, on est bas. Vous voyez qu'on a des directrices de tendance. Et ici, on avait la directrice de tendance pointillée qui relie ce haut et ce haut plus bas. Vous voyez qu'on est légèrement en dehors de cela. Donc, on va dire que maintenant, on est en dehors de ce qu'on appelle le buy side. Mais on pourrait encore remettre une autre directrice de tendance, mais on est là. Ici, on est en train de créer un point pivot. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà cette directrice de tendance pointillée. On est déjà hors de cela. Mais maintenant, il nous faut quelque chose en plus. Rappelez-vous qu'on a aussi les moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance. Donc, maintenant, regardons réellement ben, comment sont les moyennes mobiles et quelles sont les résistances comment dirais-je, qui sont sur notre chemin au niveau oblique. Donc, les résistances qui nous montrent. Qui dirigent, hein, donc qui sont des directrices de tendance. Donc vous voyez ici la moyenne mobile de 26 semaines en noir, 21 semaines, 52 semaines ici en rosé, 13 semaines ici en rouge, 8 semaines et 4 semaines. Donc vous voyez qu'on a des amplitudes ici, hein, donc 45 degrés à la baisse. C'est quoi? C'est 26 semaines et 21 semaines et aussi 13 semaines plus ou moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'ici, si on monte, on doit être au-dessus de ces niveaux-là et donc ça donne les niveaux ici de quoi? Des 8500. Vous voyez, on avait un point pivot.
points pivot ici résistance, et donc maintenant bah, ces deux points là ça nous donne ce niveau ci donc on doit avoir des clôtures au-dessus du niveau des 8500 et là on peut se dire oui on va commencer à être haussier. Tant qu'on n'a pas cela on est toujours baissier, donc on peut atteindre ici certains niveaux. La directrice de tendance intermédiaire, la ligne dorée que vous voyez ici, si on atteint ce niveau-là ici, donc c'est-à-dire les 8000, on peut rejeter cela et être baissier. Maintenant, on en est où? Maintenant, concrètement, on va se focaliser sur ce que l'on voit là maintenant. À court terme, qu'est-ce qu'on a? On a ici un point pivot. Vous voyez que ce sont les quoi? Les 6900. Donc, on peut dire quoi? Niveau psychologique, ce sont les 7000. Donc, on a ceci et 7000 là. Donc, vous voyez qu'on avait aussi notre pointeur ici qui nous pointe les 7000. Et qu'est-ce que l'on a? On voit un patron. On est en train de baisser en escalier baissier. On a atteint ce niveau et là, maintenant, on fait demi-tour. Donc on fait demi-tour, vous voyez que j'ai un C ici. Donc moi je suis en train d'assumer, j'ai une projection où je me dis tiens, il y a un probable A, B, C, D ici. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Je me dis oui, j'ai un potentiel A, B, C, D là. Attendez, on va faire un truc. Voilà. Je me dis que moi j'ai un potentiel ABCD ici. Bon voilà, là je vais effacer ça. Non, on va attendre parce que c'est moi qui ai appuyé, j'ai fait des bêtises ici. Donc excusez-moi, donc là c'est du direct. Vous voyez qu'on est en direct, mais ça va, c'est assez vite ici. On va dire que le Brave se remet bien plus rapidement que le Chrome hein, de Google. Avec Chrome de Google, c'est qu'on a eu pas mal de problèmes. Donc Brave, ça va. Donc c'est moi qui ai appuyé n'importe quoi. Mon doigt innocent a touché quelque chose sur le côté droit et donc ça a fait ça que ça a ouvert une barre de menu. Donc voilà, on y est, on est revenu. Donc désolé pour ce petit souci, on va revenir là où on était. Donc on parlait de quoi? On parlait des niveaux de retest, des niveaux des 7000 et des 8000. Donc là ici on va zoomer comme on l'avait. Voilà, on va aller un peu plus grand comme ceci, comme cela, voilà, voilà, ici, et on va agrandir le tout et on va revenir là où on était. Voilà, voilà, on a ceci et ici on va agrandir tout ça, voilà, c'est parfait, voilà, ok, on y est. Donc voilà, on est revenu. Maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'ici, je suis en train d'assumer un mouvement baissier, donc un A, un B et un C et un D. Donc vous voyez tout ça ici, d'abord on avait le premier A, B, C, D qui était fait, mais on en a un qui est un peu plus grand. Donc là j'assume vraiment que tout ceci est mon mouvement baissier. Arrivé jusqu'ici, l'extension maximale, ici c'est mon B, et là maintenant, on pourrait revenir ici vers la directrice de tendance. Ici vous voyez là, je suis dans ce canal baissier ici, que vous voyez ici en doré. Là ça va être mon point C, donc les 8000, donc c'est quoi? On assume qu'on va avoir un retest de la moyenne mobile de 52 semaines maintenant comme résistance. Donc ici c'était un support. Là le support on l'a perforé à la baisse et donc maintenant on viendrait de retester. Si vous regardez bien c'est la région des 8000 et on a un nuage de moyenne mobile. Là. Donc on a 13 semaines ici, 21 et 26 semaines là. Donc là ça peut être un retest. Rappelez-vous qu'une fois qu'on est éloigné des moyennes mobiles, principalement 4, 8 et 13, et lorsqu'il y a un grand spread, on revient pour être en contact avec ces moyennes mobiles-là. Donc ça, ce sont aussi des indicateurs. Hein. Rappelez-vous, donc ça c'est juste une historique de prix. Donc on regarde un peu l'interaction du prix aujourd'hui avec le prix passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la même chose, mais on n'a pas exactement les mêmes spreads. On a eu 4 semaines, on n'était pas très éloigné. On a eu notre interaction. Spread entre 4 semaines et 8 semaines, vous voyez ici, cet écart, l'écart que l'on a, pratiquement comblé. Et après, on a quoi? 8 semaines et 13 semaines. Donc, on parle de 7000 à 7600. Donc, ça, c'est tout à fait possible qu'on fasse ce genre de choses-là. Donc, atteindre ces niveaux-là. Et ici, le point C, donc le niveau test clé, ça va être les 8000. Et surtout, là où il y a la moyenne mobile de 52 semaines. Pourquoi? On peut retester cela et rejeter cela. Donc moi c'est ce que je suis prêt à assumer ici. Donc ça c'est une de mes probabilités, c'est la probabilité qui pour moi a le plus de poids. Voit, on est toujours dans un bear market et on a toujours ce rejet qui est possible. Donc moi je vois toujours cela, donc arriver ici et faire demi-tour. Rappelez-vous que c'est ça. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi dans ma politique et on va dire dans ma phase d'accumulation, ça va me permettre de réévaluer ma stratégie. Si ma stratégie était d'accumuler ici et que là j'ai assez accumulé et qu'on remonte, ok, là j'ai le positionnement que je veux en Bitcoin, donc là c'est ok, et ici bah tiens, c'est un signal pour moi de que si, comment dirais-je, si on passe au-delà de ce niveau-ci, on redevient haussier, donc ça va, tranquille, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant si on arrive au niveau C et qu'on rejette ce niveau et qu'on va vers le bas, et qu'il voit qu'on retourne vers le bas avec puissance, donc avec un grand volume baissier, qu'est-ce que cela veut dire pour moi?
Pour moi, ça veut dire, bah, tiens, maintenant, je dois réévaluer ma baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai accumulé dans les phases baissières, mais ici, je vois qu'on peut rester encore un peu plus longtemps. Donc, on peut passer tout l'été, bloody summer, comme on appelle ça, donc un été rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tiens, est-ce que tu as assez? Est-ce que tu as encore du cash? Et est-ce que tu as envie d'encore réaccumuler un peu plus? Donc, c'est à moi à réévaluer cela. D'un autre côté, si je suis satisfait avec ce que j'ai au niveau de mon accumulation, que je dis ici, c'est bon, moi, je suis optimal, je suis paqué, je suis parfait au niveau du Bitcoin, j'en ai pas avant. Pour le moment, j'ai mis le capital suivant le capital que j'avais. J'ai réussi à placer mon exposition et mon risque ici par rapport au Bitcoin, c'est OK. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah, ici, maintenant, je peux remettre ma casquette de short. Rappelez-vous, ça fait un moment que je n'étais pas en train de faire des shorts. Et bien là, ici, ce serait le moment de les reconsidérer. Donc j'ai un capital qui est là. Je me dis, ben tiens, là maintenant, moi, j'ai fait des achats. On va rester encore bas. Ben quoi, je peux capitaliser avec des shorts. Et bien oui, ça va être le moment de le faire. Là maintenant, je vais pouvoir me focaliser sur ce qui est beaucoup plus spéculatif et aussi me joindre aux montées dans le wagon des shorts. Oui, et capitaliser dans cette baisse. Oui, donc là, c'est ça. Ok, donc là on a vu tout ce qu'il y a ici au niveau du Bitcoin. Ici on doit regarder maintenant par rapport à la moyenne, oh, pardon, stochastique. Bon, vous voyez qu'on est à cheval ici, hein, entre, on est plus ou moins quoi, sur le point de continuer à demeurer dans la zone de sous-évaluation. Et rappelez-vous, on avait la moyenne mobile de 52 semaines ici et on a quoi? 104 semaines ici. Donc ça peut être un probable target maintenant. On se dit, bah, tiens, on a ça. Vous voyez qu'on était à mi-chemin, on s'est stoppé. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir atteindre ce niveau-là? Oui, mais on peut faire pas mal de demi-tours. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de bricoles, pas mal de gymnastique avant d'atteindre ce niveau. Donc c'est ça. On peut remonter ici aux 8000, voire les 9000 et après redescendre rapidement avec 2-3 bougies de ce genre et on y est. Vous voyez que là, on n'en sait rien. Mais ce sont des probabilités. Rappelez-vous que sur base des probabilités, nous, c'est à nous à réévaluer nos stratégies. On a un système qui est clé, mais après, on a des stratégies d'intervention. Ben, qu'est-ce que je fais ici? Ben, tiens, ici, je vais shorter. Tiens, ici, ben, tiens, c'est plus bas, je vais accumuler. Donc là, libre à chacun de faire ce qu'il a à faire, mais vous devez être conscient de ces choses-là. Okay? Donc ici, voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant, on a regardé le Bitcoin, on va dire le véritable sous-jacent, on va regarder ses dérivés. Donc on va commencer par quoi? On va aller à Wall Street. Et on va regarder le NYXBT. Donc NYXBT, non, attendez, là c'est moi qui écris n'importe quoi. Comme ceci, voilà, là c'est correct. Ça c'est l'indice du New York Stock Exchange du Bitcoin. Et maintenant, ben, voyons voir ici ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe ici avec le NYXBT? Qu'est-ce qu'on a ici avec le NYXBT? Parce que là on tentait de m'appeler, mais bon, voilà, là je vais répondre plus tard. NYXBT, qu'est-ce que l'on a ici? Ben, c'est pareil que le Bitcoin, on voit la baisse. Rappelez-vous que le NYXBT, GBTC, BTC et le XBT1, ça cotise comme des actions, donc c'est du lundi au vendredi, samedi, dimanche, c'est fermé. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de gap ici. Selon l'évolution du sous-jacent, donc du véritable Bitcoin, à la hausse ou à la baisse, et ben là, ça s'ajuste. Ce qui fait que nous, demain lundi, on peut voir ce genre de mouvements baissiers. Donc vous voyez, là, on a eu une semaine flat. Entre les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. Maintenant, si on continue à avoir le Bitcoin flat, donc on resterait là. Donc on aurait une ouverture au même endroit. Et là, on voit qu'on est monté un peu plus haut. On a fait quoi on va regarder ça maintenant. On a quoi exactement ici au niveau du Bitcoin? Ben voilà, on a les 6800. Donc nous, par rapport au niveau auquel on est, ben, on devrait voir ben, tiens, un Bitcoin un peu plus haut. Donc on pourra voir quoi? Ben, un gap haussier et voir le Bitcoin un peu plus haut. Vous voyez qu'ici, le Bitcoin, donc le sous-jacent, lui, était à cheval, avec les moyennes mobiles. Donc le pourcentage KD à cheval, donc l'un au-dessus et l'autre en dessous, ici du niveau des 20. Donc le niveau 20 qui est le niveau limite entre la zone de valeur correcte et ce qui est sous-évalué. Donc là, on serait là. Donc on va voir comment on va évaluer à ce niveau-ci. Mais vous voyez qu'on a un gap hein, ici. Donc ce gap haussier aussi, c'est quoi? Là, quand on a un gap, vous voyez, les gaps ici qu'on avait, ils ont toujours été remplis. Là, on avait un gap haussier, boum, on est revenu le remplir avec une cotisation complète, donc une bougie complète à ce niveau-là. Ben, ici, on a ça. Donc, vous voyez ici, la thèse qu'on avait soutenue, c'était quoi? Interaction de nouveau avec la moyenne mobile de 52 semaines, maintenant comme résistance. Ici, c'était un support, et ici, ce serait une résistance. Donc là, ben, on pourrait voir une montée jusqu'aux 8000. Donc là, et par du même fait, ben, remplir le gap ici. Et donc là, ce serait quoi? Arrive à la moyenne mobile de 52 semaines, arrive aux 8000, ce serait ici quoi? Le marqueur 50. Donc là, c'est un marqueur clé. Si on le rejette, comme c'était le cas ici, on repart plus bas. Si on arrive à être au-dessus avec divergence, donc là, on peut être au-dessus de 8000, 8500. Et donc là, on peut parler de prix bien plus haut. Mais pour le moment, on va voir ce qui va se passer ici. Ok, donc ça, voilà pour le NYXBT. Maintenant, on va regarder ben, le BTC, donc un des contrats futurs. Ça, c'est le BTC. Voilà, c'est le CME.
Et le XBT, c'est le CBOE. C'est du CBO. Donc voilà, ici on a le Bitcoin du CME et on voit exactement pareil, c'est la même chose. Donc ouais, on avait atteint les 6000 et là on revient. Vous voyez qu'ici on n'a pas trop d'informations vu que quoi, ça a été lancé ici comme vous le voyez ici au mois de décembre, la semaine du 18 décembre. Donc on n'a pas plus d'informations au niveau des moyennes mobiles. Là ça s'arrête à 26 semaines, vous voyez qu'on a à peine, c'est à peine maintenant qu'on a les informations concernant la moyenne mobile de 26 semaines. Donc il nous manque 52 semaines. Mais c'est plus ou moins pareil en regardant le Bitcoin. Okay, donc vous voyez ici qu'on redécolle, gap haussier et on se redirige vers quoi? Vers les moyennes mobiles et pareil ici on a un gap. Donc on va élargir cela comme ça vous allez voir de quoi on parle ici. Bah c'est quoi ici? C'est le gap ici. Donc ouais, on s'attend à quoi? 7200 et les 7600, ça c'est très probable. Et maintenant voir quoi aussi? Une repénétration en zone de valeur correcte avec une divergence de dire quoi? Bah monter cette hausse ici. Mais rappelez-vous que quoi? On a un gap baissier ici. Donc si on remplit ce gap, après il faut revenir remplir celui d'en bas. Donc vous voyez ici, c'est pour ça que ma thèse de A, B, C ici et D baissier, je la soutiens. Pourquoi on est toujours dans un bear market et les volumes baissiers sont bien plus importants, avec les volumes haussiers sont très faibles. Ok, donc là, voilà pour le CME. Maintenant, on va regarder les contrats du CBO. Et CBO, c'est XBT1. Voilà. Voilà. C'est XBT tout simple maintenant. Enfin, tout simplement. Et ici, c'est exactement la même chose, exactement le même scénario. Donc, au niveau du stochastique et ainsi de suite, bon, on n'a rien à commenter de plus. Tout ça, c'est pareil. Mêmes informations qui sont en train d'apparaître. Et ici, ben, le gap est pareil. Et on a la même chose ici. Donc, les interactions avec les moyennes mobiles. Le prix 4 semaines, maintenant 8 semaines entre les deux. Il y a un spread à combler, donc le spread du gap ici. Et donc, ici, ça nous donne quoi? Ben, lever vers les, enfin, monter, pardon, vers les 7700, 7800. Et pourquoi pas tester les 8000. Et sans oublier qu'on a aussi quoi maintenant? On a un gap haussier ici qu'il faudra remplir. Donc là, on a le gap baissier à remplir et le gap haussier. Donc vous voyez, deux gaps, peu importe les distances qu'ils ont. Vous voyez ici, il y a eu déjà pas mal de gaps. Gap là, et on est toujours revenu les remplir. Donc à un moment donné, ça peut être un an, 10 ans, 100 ans, un siècle plus tard, ces gaps là devront être remplis. Ça, c'est une règle d'or et c'est ce qui se passe tout le temps. Ok? Donc là, voilà, vous voyez, comme ici encore, vous avez encore un autre gap, boum, baissé, et il a dû être rempli par après. Donc il faut que c'est un niveau ou quoi, où il y a tout, juste, tout simplement, il n'y a pas eu de prix, donc il n'y a pas eu de trade. Personne n'était prêt à acheter ou vendre entre ces niveaux-là, et donc c'est vrai qu'il y a ces grands écarts. On a directement recommencé et repris la négociation à des niveaux supérieurs. Rappelez-vous que ça, ça suit aussi ce qui se passe au niveau du sous-jacent Bitcoin. Donc là, ça va entre les deux, ok? Donc là, il faut vraiment pouvoir faire le parallèle entre les deux. Il y a encore pas mal d'autres choses qui rentrent en compte ici. Mais bon, ici, on va s'arrêter à cela. Pourquoi? Pour des raisons de cette vidéo, ou bien on a une vidéo qui va durer une semaine. Donc voilà. Et maintenant, on va finir avec le GBTC. Donc GBTC, c'est l'ETF du Grayscale. GBTC, il me manque. Voilà. Voilà, on y est. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? On a ceci. Qu'est-ce que l'on voit ici? Et ici, on avait notre Fibonacci. Maintenant, on peut le bouger. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a 100% annulé le mouvement haussier que l'on voyait, nous. Donc, ce mouvement a été annulé. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ben, GBTC, vous voyez bien, en zone de sous-évaluation. On est toujours dans un bear market. Vous voyez qu'ici, si je fais quoi? Tout simplement, comme je l'ai dit, si je trace ma ligne de tendance ici, vous voyez qu'on ne l'a pas dépassé. Il faut que je sois haussier, 1, au-dessus de ça, et 2, avec divergence ici, au-dessus du marqueur des 50. Et ici, si je trace mes lignes de tendance ici, vous voyez qu'on est toujours quoi dans une phase de baisse. Là, on est à un point clé hein, sur le point de passer au-dessus de celle-là. Mais après, on doit passer cet autre test. Et ensuite, on doit passer le test ici des 16$ pour réellement se dire haussier. Et on a encore différentes choses ici. Vous voyez qu'on a un gap à ce niveau-là, donc au niveau des 20. Donc, on va pouvoir aller le remplir. Mais pour le moment, non. Vous voyez que comme on le voit avec le sous-jacent Bitcoin, on est en train de faire un énorme patron tasse. Et donc, on est en train d'y arriver. Okay. Donc là, ce sont des choses que l'on voit. Et donc là, vous devez, comment dirais-je, savoir cela et avoir cela en compte. Rappelez-vous aussi que c'est ça, que le Bitcoin, le GBTC, c'est un fonds. C'est-à-dire que moi, je suis un investisseur, j'ai envie d'être exposé au Bitcoin, mais je n'ai pas envie de le faire moi-même directement. C'est-à-dire quoi? La sécurité des wallets et des exchanges. J'ai un fonds qui est là pour gérer cela. Je leur donne du capital. Donc, j'achète une participation qui, pour le moment, me coûte 10$. Dans les 10$, il y a les frais de gestion qui sont décomptés. Donc, imaginez-vous, je ne sais pas, ça peut être quelques points base ou 1%. Donc ici, ben, 1% ou 2% ou 10%, peu importe. Et ben voilà, si c'est 10%, eh ben, il y a 1$, 20 qui sont pour la gestion. Et le reste, donc les 8$, 80 qui vont aller à quoi? Ben, qui vont aller à acheter du Bitcoin. Ok, tout simplement, c'est ça. Donc là, en fonction du nombre d'actions que j'achète, eh ben là, j'ai plus de capital qui va être mis dans le véritable sous-jacent. Donc après, c'est quoi? C'est le fonds qui va aller acheter du Bitcoin pour moi. C'est eux qui vont s'occuper de la garantie de sécurité, de l'exchange, du wallet, enfin peu importe comment ils le font. Ça, c'est à eux, mais moi, je paye pour ce service-là. Okay? Donc ça, c'est ça.
Donc voilà ici pour le GBTC. Maintenant, on va aller à quoi? On va aller au Bitcoin Cash. Donc, rappelez-vous, hein, tous ceux qui sont en train de suivre cela face à l'euro, donc comme moi, je suis le Bitcoin face à l'euro et ainsi de suite. Eh ben, après, c'est quoi? Ben, c'est juste les mêmes scénarios, les mêmes probabilités, sauf qu'après, il faut adapter le tout au niveau des prix. Au niveau des prix, ben, où cotise le Bitcoin par rapport à l'euro? Où sont les moyennes mobiles? Où sont les différentes résistances et supports? Et donc, c'est ça, donc faire les conversions hein, directement. Et après, ben voilà, on opère de manière similaire. Alors ici, Bitcoin Cash, qu'est-ce que l'on voit ici avec le Bitcoin Cash? Eh bien, c'est tout à fait pareil. Vous voyez ici les niveaux qu'on avait montés du mois d'avril, qui étaient en train de monter là. Bon, on a notre Fibonacci, si on a bougé, il ne nous sert plus à rien maintenant. On a annulé le mouvement. Vous voyez que la mèche que vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, on est posé. Mais vous voyez que là où on est posé, c'est quoi? On a validé un pointeur et on avait une ancienne résistance. Donc là, on est là. Et on est encore où? En zone de sous-évaluation, pratiquement en parallèle confondu ici entre les pourcentages K et D. Donc on n'a pas de direction et on le voit. Donc on est flat ici et on est flat là. Trois semaines d'indécision, trois doji l'un à la suite de l'autre. Inside week candle et on est quoi? On est flat, donc on ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de volume haussier ni réellement d'entrée de nouveaux vendeurs. Donc c'est quoi ici? On est flat. Donc c'est quoi? D'un côté on peut dire oui, il y a des personnes qui sont en train de prendre position tout doucement. Mais c'est plutôt quoi? Ceux qui étaient short qui sont en train de sortir de leur position, mais tout doucement. Vous voyez qu'on ne sort pas. Si on sort fortement d'un short, on voit quoi? Bah directement, ça va aussi nous permettre. C'est aussi un signal pour les acheteurs. C'est une forte impulsion d'acheteurs qu'on voit directement. Donc après, le volume acheteur accompagne cela. Donc vous voyez, on a un cycle A, B, C, D bien plus important. Mais ici, on ne sait pas si c'est le point B. Pourquoi on peut descendre encore plus bas? On ne sait pas. Vous voyez, si c'est le point B, pourquoi? Par rapport à notre A, notre B ici et un C ici qu'on va faire un demi-tour et qu'on va arriver ici. Donc on n'en sait rien. On voit que là, c'est léger. Donc, c'est léger quoi au niveau des acheteurs. Et un acheteur, ça peut être aussi une personne qui était intéressée par le Bitcoin Cash à ce point-ci. Mais c'est aussi une personne qui était short le Bitcoin Cash qui recouvre sa position. Vous voyez qu'apparemment, on n'en sort pas des masses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, on doit en tirer des conclusions. Conclusion numéro 1, c'est quoi? C'est tiens, ici, il se passe quelque chose. Il y a un niveau d'indécision et ce qu'on appelle un doji. Ce sont ces bougies que l'on voit. Là, ça me renvoie une lecture de la psychologie des intervenants, donc des acheteurs comme des vendeurs. À ce niveau-ci, ils sont indécis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va continuer à remettre une couche de shorts, aller plus bas? Ou est-ce qu'ici, on fait demi-tour, c'est un point pivot, et on maintient ça? Vous voyez ici, on a ça. Attendez que j'arrive à l'attraper. Ah, voilà, je l'ai, enfin. Si on relie les deux points ici, vous voyez ça nous donne quoi? Ben, un support. Vous voyez qu'on est ici sur le support de la tendance ici. Ça, c'est intermédiaire. Pour moi, je peux encore monter celui-là au-dessus des hauts max, et ça me donne un grand canal haussier. Mais là, ici, on est ici par rapport à ça. Donc, on avait un canal intermédiaire. Vous voyez qu'ici, on s'est posé là. C'est une résistance. Et là, on s'est posé là comme un support. Vous voyez? Mais maintenant, ici, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que là, ben, j'ai un point bas, un autre point bas. Donc, j'ai un bas plus haut et un bas plus haut. J'ai juste deux points. C'est assez pour moi pour me tracer un support. Et on l'a. Et vous voyez ici, on est indécis autour de ce support. Et on a eu quoi? Notre interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. À un moment donné, on était ici. On était éloigné. Donc, on a touché au niveau des 800. Et là, on est là. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On est ici en sous-évaluation, aussi, sans convergence, sans rien du tout. Donc, c'est quoi? Il peut y avoir une divergence de nouveau, donc se maintenir en dessous, ou il peut y avoir une convergence, réduire la volatilité et vraiment mettre un stop à l'hémorragie et après divergence, mais maintenant ou à la hausse ou à la baisse. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Si c'est à la hausse, on peut maintenir notre A, notre B et notre C, et ensuite probable D plus bas, ou revenir ici, revenir là, avoir un C, perforer ce niveau, donc à divergence au-dessus du marqueur de 5 ans du stochastique, au-dessus ici du marqueur qui nous marque le sell side, donc les directrices de tendance et les moyennes mobiles, et là commencer à parler être dans une configuration haussière, remonter vers les 1000$, donc niveau très psychologique. Si on arrive à clôturer au-dessus, vous voyez ici on a rejeté ce niveau-là, arriver à clôturer au-dessus, on repart vers les 1200, 1400 et ainsi de suite. Mais pour le moment on est là, donc là après on recommencerait un cycle A, B, C, D haussier. Mais pour le moment, tout se passe ici. Est-ce qu'ici, on va pivoter? Est-ce qu'ici, on va faire demi-tour? C'est très important. On va par étapes. Oui. Et rappelez-vous que par rapport à ces étapes, là, ici, c'est à vous à savoir ce que vous allez faire. Ou ici, je vais réaccumuler. Donc moi, Bitcoin Cash, je pense que ça, c'est moi personnellement. Je me dis, bah, tiens, je suis OK. Je suis bien paqué Bitcoin Cash. Donc là, j'en ai pas besoin de plus. Maintenant, c'est quoi? Je vais plutôt regarder des shorts. Ça, c'est un truc que j'ai super bien shorté, le Bitcoin Cash, depuis que j'ai pu le shorter, même depuis que j'ai pu aller à la hausse. Ça a toujours été un truc qui a fonctionné super, super bien. Et donc voilà, donc maintenant on va voir si on va remettre des short Bitcoin Cash. Donc vous voyez que ça, c'est ça. Oui, short Bitcoin Cash et aussi pourquoi pas, si je suis bien déjà au niveau achat, j'ai plus rien à faire, qu'est-ce que je fais? Je surveille les fondamentaux, mais d'un autre côté, je peux être aussi haussier de Bitcoin Cash avec du levier. Donc optimiser cela avec des dérivés.
Donc, vous voyez, c'est quoi? J'ai un patrimoine, une partie mise en accumulation pour être holder à long terme, et une autre partie spéculation et trade sur une certaine période, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre, un semestre, peu importe. Okay? Avec des dérivés, maintenant c'est trimestriel. À travers BitMEX, on a ça en trimestriel. Et même à travers des dérivés CFD, c'est un trimestre, donc c'est 3 mois. Même pas 3 mois. Avant, on avait 90 jours, maintenant on est à 30 jours, donc c'est 1 mois. Donc d'un côté, j'ai 1 mois et d'un autre côté, j'ai 3 mois. Donc là, il y a différents outils. Donc là, voilà ici pour le Bitcoin Cash. Donc pareil, hein, comme je le disais avant, si vous regardez ça vis-à-vis de l'euro, ainsi de suite, c'est les mêmes scénarios, les mêmes probabilités. Sauf qu'ici, ça va être quoi les niveaux des prix qui vont changer. Ok? Et on va finir ici avec le Bitcoin Gold. Voilà, Bitcoin Gold face au dollar US. Voilà. Ok, on y est. Et ici, on prend des prix qui nous viennent de Bitfinex. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Le Bitcoin Gold, vous voyez, et il était super, super haut à un moment donné, mais là, on est vraiment dans les super bas. Donc, il a déjà perdu pratiquement 90% de sa valeur, donc de 480 à 40 et des poussières, c'est plus de 90%. Vous voyez qu'ici, on décolle de la zone de sous-évaluation, on est toujours dans le sell side, on est toujours en dessous du marqueur de 50, et on est toujours là. Donc, tout simplement, voilà ce que l'on a. Et vous voyez ici, on touche quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, et on a un nuage de moyenne mobile juste au-dessus et on doit perforer quoi? Déjà les 90 pour se dire réellement haussier. Mais pour le moment, vous voyez qu'on est loin. Donc, il faut pratiquement faire un 100% afin d'être bien plus haut. Même pas plus d'un 100%. Si on est 90, on doit faire un 200% réellement pour être ici. Ouais, 80, ce serait... Ouais, pratiquement, il faut qu'on fasse un 200%. Donc, de 30, 100%, ce serait arrivé à 60. Et si on fait encore 30, donc on arrive à 90, ça fait un 200%. Donc c'est ça, il nous faut pratiquement à 200% ici par rapport au niveau actuel afin qu'on commence à parler de 8 et on peut parler d'une possible hausse ici. Vous voyez que tout simplement, c'est quoi? C'est être au-dessus des moyennes mobiles et clôturer. Mais vous voyez qu'on ne va pas, comment dirais-je, clôturer avec une bougie comme ça directement. Non, ça ne se fait pas. La chose qu'il y a, c'est quoi? C'est que vous voyez que quand on descend en ABCD, ah ben, on va aussi monter en ABCD. Ouais, donc là, c'est ça. Ok? Donc là, vous voyez qu'on aurait plus ou moins une épaule, une tête et une épaule. Donc vraiment ce grand patron de retournement dans une grande tasse. Et là, maintenant, on peut commencer à se dire, tiens, on va commencer à être haussier, mais voilà, c'est ça, Bitcoin Gold, quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qui fait que, tiens, il va y avoir une hausse? Rappelez-vous que c'est quoi une hausse? C'est une injection de capital. Donc lorsque dans la market cap, il y a de l'argent qui va rentrer dans la sphère crypto, rappelez-vous que 40% vont dans le Bitcoin, eh bien, tiens, le Bitcoin Gold, qu'est-ce qui va lui revenir? Maintenant, lorsque moi, investisseur, je vais regarder ça, donc posez-vous la question. Lorsque vous êtes au supermarché, pourquoi est-ce que vous achetez plus une marque qu'une autre? Tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, imaginez-vous que lorsque vous rentrez au supermarché, ce que vous avez dans les rayons, ce sont les cryptos. Vous n'allez pas dans tous les rayons, vous n'achetez pas tout. Il y a de l'offre pour tout, mais il n'y a pas une demande pour tout. Ouais, donc c'est ça. Donc maintenant, à travers les rayons, ici à travers les rayons, les différentes catégories, tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce que le Bitcoin Gold devrait commencer à avoir de l'argent? Pourquoi est-ce que vous mettrez le Bitcoin Gold dans votre caddie ou dans votre panier? Pensez à votre caddie, à votre panier comme étant votre portefeuille. Pourquoi est-ce que j'aurai X% de mon capital mis dans cet article? Est-ce que j'en ai besoin? Quelle est l'utilité de cet article? Tout simplement, c'est ça. Et déjà, il faut l'entendre parler. Quand on entend parler, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de demandes. Vous voyez, ça fait du buzz. C'est ça le truc. Quand on parle de Apple, Apple, les dispositifs sont très demandés. Pourquoi on en parle? Il y a un marketing, ils se rendent visibles, ils sont exposés, ils ont des publicités et ainsi de suite. Et on en parle et après on voit l'intérêt aussi de grands personnages comme Warren Buffett et ainsi de suite. Ouais, ici c'est pareil. Mais donc ici le Bitcoin Gold, pourquoi? Donc il faut se poser des questions et se dire, tiens, là où il est, il a perdu plus de 90% de sa valeur. Qu'est-ce qui va le ramener à ses super hauts? Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est passé maintenant le buzz des cryptos de 2017. Maintenant, c'est un autre genre de marché. Là, rappelez-vous, j'ai toujours dit, maintenant, on est dans un marché fondamental. Ce qui va être levé maintenant, ce sont les institutions. Et les institutions, elles opèrent sur base de valeur. Et après, ils vont regarder si le prix du marché est fair ou not fair. Donc, c'est-à-dire quoi? Fair price ici, ou bien undervalued, donc sous-évalué ici. Fair price, c'est-à-dire quoi? Prix correct. Et overvalued, c'est-à-dire non, surévalué par rapport au prix du marché, par rapport à la valeur fondamentale. Je ne regarde même pas. Donc là, c'est ça. Ok? Donc là, voilà, on a fait le tour de tout. Heureusement que les samedis, on fait les news, mais on aurait des émissions ultra longues et c'est bien de séparer les deux, hein, de séparer ce qui est fondamental et news de tout ce qui est technique et price action et ainsi de suite. Donc voilà. Ok? Donc ici, on va arrêter là.
C'était quelque chose d'excellent. Donc on arrête là aussi. Ben, là, c'est complet. Hein. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Donc là, on va se retrouver lundi. On a encore d'autres news. Donc les news de Nadi, de Johan, de tout ce qu'on apporte ici. Patrick, ainsi de suite. Donc on va rapporter pas mal de news tout au long de la semaine. On a déjà pas mal pour la semaine à venir. On en a déjà beaucoup de news pour toute cette semaine. Maintenant, c'est trié. Juste quoi, les news par rapport à chacun, à chacune des journées, selon les catégories que l'on observe au quotidien. Et maintenant, moi, c'est quoi? C'est continuer à bosser ici sur le Global Culture Research. Comme vous voyez là, il est 1h. Donc là, je suis encore là jusqu'à 2-3 heures du matin. Finir le tout et en même temps, déjà commencer à paquer des vidéos, commencer à vous les mettre, enfin à les mettre sur, bah, les rendre disponibles. Et donc là, bah, tous ceux qui sont souscrits au Global Culture Research, je vais commencer à les recevoir. Et le PDF viendra à la fin. Pourquoi? Comme ça, je suis sûr que à chaque fois, bah, je valide ce qu'il y a dedans. Et ça avance. Donc dès que vous voyez une vidéo, bah, ça veut dire que j'ai validé un point. Vous avez une vidéo, j'ai validé un point, vu que je le travaille avant. Et maintenant, une fois qu'on est en, que le trimestre est fini, bah, je reviens réellement sur chacun des points pour voir, bah, tiens, ce point, comment est-ce qu'il évolue, vu qu'il y a 3 mois. Vous voyez qu'en 3 mois dans les cryptos, il se passe beaucoup de choses. Ici, il se passe des choses d'une journée à une autre. Donc c'est ça. Donc vous voyez que là, je suis vraiment sûr de, bah, tiens, est-ce que ça c'est toujours valide, est-ce que ça c'est toujours d'actualité, est-ce que ça c'est toujours aussi lourd, est-ce que ça a été fait ou quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que ça nous ramène à plus, quelle valeur ça nous ramène de connaître telle ou telle news. Vous voyez, donc c'est ça. Donc je rééquilibre après. Et là maintenant, bah, je passe à la version propre, définitive, finie, que vous allez avoir ici. Ok? Donc voilà, maintenant d'un autre côté, bah, pour ceux qui se disent, bah, tiens, moi aussi, Serge, j'ai envie d'apprendre, moi aussi, Serge, je veux aller de l'avant et ainsi de suite, je veux vraiment être là et me souscrire à tes services de consulting et de recherche, bah, vous venez, un, vous avez l'éducation financière, en cliquant ici, vous allez pouvoir voir le programme, donc des vidéos modules d'initiation, 10 modules, donc 60 heures de vidéos réparties sur 10 modules, et il y a des bonus. C'est quoi les bonus ici? Ce sont des live trading et des modèles de portfolio que je fais, donc les miens, spéculatifs ou quoi que ce soit, donc là, constamment. Lorsque j'ai réellement le temps et que je suis inspiré, ben là je viens toujours ramener quelque chose comme ça reste open. Vous voyez que c'est ça, c'est pas fini, c'est jamais fini. Le marché, tout évolue tout le temps. Donc nous aussi on évolue tout le temps, on doit toujours se mettre à jour. Donc là ça reste ouvert. Donc une fois que vous avez acquéri les vidéos modules d'initiation, tous les bonus qui sont rajoutés, ben, c'est gratos, il n'y a rien à rajouter par après. Donc ça c'est à vie, je dis bien à vie, tout ce que je rajoute donc, comme bonus, même mes enfants, le jour où j'en aurai, s'ils rajoutent des bonus, ben voilà, ça va toujours être là. Donc là, ça va vivre aussi longtemps que le monde va vivre. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est éternel, ça. Continuons. Après, vous avez quoi? Ben, y a la solution consulting. Ça, c'est en plus des vidéos modules d'initiation. Vidéo module d'initiation, c'est vous-même, vous avez les vidéos, vous les regardez tout seul et vous allez vous battre dans les marchés tout seul. Consulting, ben, vous apprenez, quand il y a des doutes, ben, je suis avec vous pour pouvoir quoi? Ben, pour pouvoir résoudre les doutes, répondre aux questions et vous aider dans la théorie et dans tout ce qui est exercice pratique. Donc là, on a ça à l'année et au semestre et aussi au mois. Donc au mois, c'est quoi? C'est en venant ici et tout simplement ben, en prenant les packs consulting au mois. Ça dépend des heures que vous voulez, mais bien évidemment, en ayant les vidéos modules avec. Donc là, c'est plus intéressant directement de passer par les vidéos modules et après, ben, voilà, vous pouvez le combiner comme vous le voulez. Après, on a la solution active. La solution active, c'est quoi? C'est et les vidéos modules et le consulting one-on-one. Et ici, nous, on est ensemble pour faire quoi? L'analyse technique que l'on vient de faire et le price action. Et bien évidemment, ben, la mise sur pied d'un portefeuille, la mise sur pied d'un système, de stratégie et la gestion, le risk management et ainsi de suite. Ça, c'est la solution active à l'année. Donc là, tout ce que l'on fait ensemble, vous et moi directement. Et bien évidemment, en dehors de ça, pour ceux qui n'ont pas besoin de guidance, ben, vous avez de guidance et d'accompagnement. Ben, il y a les Global Culture Research qui sont des rapports fondamentaux. Okay? Donc voilà, donc les Global Culture Research et les vidéos modules sont compris que pour ceux qui sont en consulting à l'année. Donc dans du long terme, ben là, ça c'est inclus dans votre pack. Donc ça, vous le recevez aussi. Okay? Donc je répète bien, les Global Culture Research, pour ceux qui n'ont pas besoin des vidéos modules ni quoi que ce soit, il y a ça, ça c'est à part. Et ceux qui sont en consulting one-on-one et en solution active, eux, oui, ils reçoivent les Global Culture Research en plus. Donc là, ça fait partie de cela, vu que principalement, ben, vous venez ici ben, pour tout ce qui est la recherche crypto et savoir comment vous débrouiller là-dedans. Maintenant, comme je dis, le Q3, il est là, il est fait. La première vidéo va être publiée, donc là, vous êtes notifié. Et donc, on a beaucoup de choses à voir. Mais ici, on va faire quelque chose de différent après. On va aller dans quoi? Dans la génération d'idées. Vu que je vois que beaucoup de personnes bloquent là, ne comprennent pas. Ce qui est en train de se passer, surtout maintenant, lorsqu'on parle de tiens, l'argent de Wall Street va rentrer, va se passer ici, ça, ça, ça et ça. Non, nous, on va voir ça de manière factuelle et de manière concrète. La plupart d'entre vous qui êtes clients ici en consulting avec moi, vous avez déjà vu ces choses-là, vu que ce sont des choses qu'on regarde au quotidien, mais maintenant, on va l'inclure dans le Global Equity Research. Et sur base de ça, on aura aussi après quoi une génération d'idées. Donc, regardez réellement comment est-ce qu'on regarde les choses. Hein. Rappelez-vous, il y a toujours le top-down et le bottom-up. Donc là, maintenant, bah, nous, on va regarder les choses réellement de manière globale. Et de manière globale, on va voir, bah, tiens, est-ce qu'on arrive réellement à telle ou telle crypto. Vu qu'on a eu un exemple clé, hein, c'est le Verge et le Throne. Verge est allé, lui, vers une industrie. Mais après, cette industrie, en faisant son analyse, elle voit que non, nous, pour nous, ce qu'il nous faut, c'est le Throne. Donc, vous voyez que là, c'est différent.
Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une crypto comme le Verge et dire non, Verge va dominer le monde. Mais après, lorsque vous regardez une vision globale, on dit non, 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 c'est pas Verge qui va dominer le monde. Si on regarde le monde et on regarde ce dont le monde a besoin et qu'on commence à filtrer, 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 eh ben on arrive à quoi? On arrive au trône. Ouais. Pourquoi? Je vais rapidement vous imaginer quelque chose avant que l'on conclue, comme ça vous allez comprendre c'est quoi. Hein. La chose, c'est la suivante. Ça, vous prenez, ça c'est la Terre. Ok? Ici, on a un actif. XVG. On va expliquer ce que Tron a fait, ce que le XVG a fait. L'XVG a fait ceci. L'XVG, c'est quelqu'un qui est venu, donc les créateurs du XVG. Ils ont planté une graine et ça fait ceci. C'est arrivé là et c'est allé là. Maintenant, elle-même a voulu aller quoi? Faire ceci, c'est-à-dire quoi? Aller vers une industrie clé. Donc Pornhub et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ouais, donc ça va de l'actif qui lui a voulu monter et aller vers quelque chose. Ouais. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a cette industrie, cette même industrie, qui elle est déjà établie au niveau global. Elle a commencé à regarder quelque chose, a commencé à filtrer, à filtrer, à filtrer, à dire, tiens, dans ce jardin crypto, moi, ce qu'il me faut, c'est le TRX. Vous voyez qu'ici, on a 1600 cryptos. Et ici, dans les 1600 cryptos, il y en a une qui dit, non, c'est moi dont tu as besoin. Vous voyez? À travers pas mal de choses qui ont été faites, on l'a ramené à ce niveau-là. Donc là, c'est la crypto qui va vers là. Donc là, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font, se base sur les 1600 cryptos qu'on voit à CoinCheckup ou à CoinMarketCap, choisir quelques-unes d'entre elles, ouais, ça, tout le monde en parle, ça, on en parle, ouais, ça, dans mon groupe, on en parle, celle-là, elle est pas chère, je peux en avoir 3 millions, et après, boum, voilà, ça va être la crypto qui va dominer le monde. Vous voyez, donc c'est ça. Vous voyez, quelles sont les probabilités lorsque vous voyez une fusée qui est en train de décoller, qu'elle puisse réellement aller en dehors, qu'elle puisse vraiment passer l'atmosphère et aller dans l'espace. Vous voyez qu'il y a pas mal de projets qui explosent, on voit ça, hein. Tout n'est pas, il y a des probabilités, comment dirais-je, de succès qui sont moindres. Donc il y a un risque. Ça, c'est ça. D'un autre côté, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça, donc on est versus. Donc là, à la différence de quoi on a ça, on a une industrie qui elle-même sait ce dont elle a besoin et elle dit qu'elle n'en, dans le jardin crypto, donc dans les 1600 cryptos, nous, quand on fait nos analyses, étape par étape, on voit que nous, on a besoin du TRX. Donc nous, on vient dans le jardin et on va cueillir le TRX. C'est différent. Vous voyez? Ici, il y a une offre, mais ici, il y a une demande. C'est l'industrie qui demande quelque chose et qui c'est qui répond à nos besoins? C'est le TRX. Donc là, c'est différent. Oui? Et beaucoup de personnes aujourd'hui se basent là-dessus. Mais là, il y a 1600 cryptos et ces 1600 cryptos ne vont pas dominer le monde. Impossible, rappelez-vous. S'il y a 1600, on va faire un test, hein, 1600 lancements de fusées, combien d'entre elles vont réussir réellement à décoller, déjà décoller numéro 1 et lancer ce qu'elles ont lancé en orbite, mais déjà franchir l'atmosphère et aller dans l'espace? Combien? Donc là, il y a des probabilités. Vous voyez, c'est ça. Et en plus, un lancement, ça coûte cher. Donc, on ne va pas lancer 1600 cryptos. Il n'y a que ceux qui ont la meilleure capitalisation qui vont dire oui, on va te lancer parce que tu vas mettre quelque chose en orbite. Là, ça vaut la peine de lancer telle ou telle fusée. Donc là, on va lancer cette fusée-là. Donc, dans les 1600, moins de 10% vont être lancés. Donc là, ça fait déjà 160. Et dans les 160, on va dire tiens, ben toi, 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 toi et toi, ta cargaison, on va les mettre dans les 10% qui restent. Donc, dans les 160, on en a 16. Et dans les 16, on va dire quoi? On va avoir un probable deuxième lancement. Donc, ça nous fait quoi? 32. Donc, on a un troupe tente. Vous voyez? Donc là, on réduit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir différentes catégories qui vont commencer à s'emboîter et comme des Lego, et ça va créer, vous voyez, un super Transformers là. Ça va nous créer bah, quelque chose en plus. Ouais, un Autobot ou je sais pas quoi là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? De l'autre côté, on a une industrie qui, elle, cette industrie-là, elle se dit, oui, moi, j'ai des besoins. Donc au niveau global, j'opère au niveau mondial. Maintenant, lorsque moi, je regarde ce dont j'ai besoin, quand je rentre dans le jardin des cryptos, bah, moi, je viens cueillir du TRX. Toi, TRX, j'ai besoin de toi. J'aime cette fleur et j'en ai besoin. Elle sent bon, j'adore son parfum et elle va me servir. Voilà le truc. Ça, c'est différent. Vous voyez que l'industrie elle-même a ses besoins. Vous voyez qu'il y a une chose, hein, l'offre. Mais ici, on a inondé l'offre avec 1600 cryptos. Tout le monde n'en a pas réellement besoin, donc il n'y a pas forcément de demande. Là, c'est une crypto qui vient amadouer, qui vient draguer, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais d'un autre côté, non. On a TRX qui est la belle du jardin et qui fait l'indifférente, mais c'est l'industrie qui a besoin d'elle. Donc là, déjà, le TRX, ça fait quoi? Ça la met déjà sur un piédestal. Donc, vous voyez que cela, elle est dans le quoi? Elle est dans le top 10. Maintenant, ça la met dans un piédestal. Et on a un autre du top 10, donc le ADA, qui lui dit, écoute, tu devrais utiliser ce qu'on a. Donc, ça la met encore plus haut dans le comment dirais-je? Ça la met encore sur un autre piédestal, encore bien plus haut. Donc là, maintenant, tous les projecteurs sont focalisés sur le TRX. Est-ce qu'il va se faire?
Et rappelez-vous, maintenant, on a tous les catalyseurs qui vont avec. Donc, beaucoup d'intérêt, beaucoup de buzz dans les médias, dans les bouches de tout le monde. Et tout le monde est en train de regarder ce qui se passe. Lancement de leur mainnet, ainsi de suite, au détriment des lancements foireux. Enfin, foireux, ben, c'est ce qui arrive. Hein. Rappelez-vous, une fusée a décollé, c'est la fusée IOS, et ça ne s'est pas passé convenablement. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez? Donc là, on voit une industrie qui, elle, est venue vers quelque chose. Donc maintenant, c'est un jardin, et dans ce jardin-là, ben, c'est le TRX qui est là. Ouais, donc ça, c'est très important à comprendre. Et maintenant, bah, tiens, comment est-ce qu'on en arrive jusque-là? Quelles sont les métriques? Quels sont les paramètres? Qu'est-ce que tu regardes pour en arriver à cela? Bah, ça, c'est ce qu'on appelle de la global macro. Donc, c'est la différence entre le bottom-up. Donc, ça, c'est du bottom-up et ce qu'on appelle le top-down. C'est ça. Donc, là, du top-down, on a une vision globale. Pays, région, ce que vous voulez, secteur, industrie, actif. Donc, on filtre et pour voir, bah, tiens, quels sont les besoins, les besoins globaux. Et lorsqu'on filtre, nous, on a une demande. On demande quelque chose et celui qui peut résoudre ce problème, ici, c'est ça. On arrive à l'actif. Alors, or qu'ici, c'est un actif qui dit, bah, tiens, moi, j'offre mes services pour faire ça. Tout ce qu'on en a maintenant, tout ce qui est des ICO, ce sont des offres. Mais on ne sait pas si au niveau global, réellement, ils vont arriver à cela. Vous voyez, je peux offrir un truc. Mais après, il n'y a rien sous le capot. Il y a des farceurs aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de schémas de Ponzi, des gens qui viennent offrir quelque chose et non, c'est une farce. Ouais, tiens, j'ai un iPhone. Maintenant, c'est pas un iPhone, c'est un savon. Ouais, bah, c'est ça. Ou c'est un briquet. Et c'est pas un iPhone, mais c'est un briquet sous forme d'iPhone. Donc ça, tu as un briquet que tu as payé très cher. Si tu l'as payé 1000, bah, tu t'es fait avoir. Ouais, c'est ça. Donc faut regarder les choses sous différentes formes. Et donc ça, c'est une manière de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre bottom-up, partir du verge, regarder au niveau global, mais après, vous devez le compléter par un top-down, voir si on arrive à la même chose. C'est-à-dire que si ici, je suis parti du verge, j'arrive dans le monde entier, et lorsque je reviens, bah, je dois revenir au verge. Mais ici, vous voyez que là, factuellement, on a vu quelque chose. On est parti du verge, on est arrivé dans le monde. Ici, voilà, dans le monde, on est arrivé à une industrie qui a un impact mondial. Et après, ben, quand on revient, ben, on revient au trône. On se dit, ben, tiens, t'es parti en étant le Verge, tu reviens en étant le Tronix. Il y a un problème ici. Ben non, ben, c'est pas ça. Pourquoi vous voyez qu'on n'arrive pas à arriver à la même conclusion? Et vous voyez que le Verge est dans le quoi, la catégorie des digital currencies, mais paiements avec anonymat et privacité. Alors que le TRX n'a rien à voir dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est une industrie qui vend des biens, qui fait des cadeaux et qui a des, comment dirais-je, du contenu. Et le TRX a déjà le réseau pour le contenu décentralisé, a déjà le contenu peer-to-peer, a déjà tout ce qu'il faut, a déjà la plateforme de cadeaux, a déjà ci, ça. Et la technologie de privacité ou de quoi que ce soit, c'est juste un truc en plus. Ça peut être ajouté vite fait. Le TRX peut dire, bah, tiens, moi ça m'intéresse ce que Zcash fait, c'est des choses qui sont open source. On peut avoir une collaboration pour lorsque mes clients, enfin ceux qui utilisent les TRX, les utilisateurs du réseau, bah, tiens, qu'on ait quelque chose qui nous permette d'activer cette fonction de privacité en plus. Tout simplement, c'est ça. Ou je peux prendre le Z-Snarks, donc le Zero Knowledge de Zcash, ou je peux prendre le X-Ring de Monero, ou je peux prendre le je sais pas quoi de ça, ou je peux prendre le je sais pas quoi de je sais pas quoi. Donc, les possibilités sont immenses. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'ultra, ultra important à comprendre. Et là, bah, ça va vous permettre d'avancer un peu plus loin dans vos idées. Et ça, on va y revenir ici dans le Q3. Dans la génération d'idées, comme ça, bah voilà, vous allez pouvoir le voir, et il y a certaines métriques et à regarder. Rappelez-vous que là, c'est un actif, c'est une classe d'actifs qui est jeune, qui n'a qu'une historique de 10 ans. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes disent, oui, mais on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Non, le but du jeu, c'est quoi? Même pas, c'est pas le but du jeu, c'est d'être créatif ici. Donc, c'est à vous à créer et à pouvoir savoir, comment dirais-je, bah, mettre sur pied. Donc, sur base de l'expérience que vous avez, bah tiens, je vais aller par là, par là, par là, par là et par là. Mais donc, c'est ça. Vu que c'est jeune, on doit être créatif et avancer sur la marche, mais réévaluer nos positions et ajuster nos stratégies. Tout simplement, c'est ça. On entend de faire des tests avec un prototype, on doit le tester. On doit le tester en conditions réelles. Et lorsqu'on le teste, au fur et à mesure, on est en train d'amener nos améliorations. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut se lancer et pas être en train de se lamenter. Donc, on est là et on fait le travail. Et ici, bah, c'est ce que l'on fait. Okay? Donc là, voilà. Donc, on a analysé, c'était court, mais on a ouvert une parenthèse pour voir. C'était un point que pas mal de personnes étaient en train de m'en parler. Je reçois beaucoup de mails et beaucoup de questions par rapport à ça. Tout le monde se dit, bah, tiens, il y a 1600 cryptos, ainsi de suite. Non, vous devez apprendre les analyses. Et les top-down, les bottom-up, c'est quoi? Bah, c'est des fondamentaux. Vous devez avoir les fondamentaux global macroéconomiques sur base de ça. Tout simplement, c'est ça. Donc, vous voyez que là, ça te rejoint. Ou bien, qu'est-ce que vous faites avec telle ou telle crypto? La place d'une crypto dans le futur, bah, c'est sur base de ça, sur base des tendances globales macroéconomiques, on va quoi? Qu'est-ce qui va boomer demain au niveau de l'économie? Donc, sur base de ça, il y aura une demande. Et maintenant, bah, sur base de cette demande, comme vous l'avez vu dans mon petit dessin que j'ai fait, bah, tiens, est-ce qu'il y aura une demande pour ça? Est-ce que ça résout un problème qui sera utile dans 2025 ou 2030? Ok? Donc, voilà, on va arrêter ici, parce que là, bah, c'est un après-midi de travail. Et nous, on se retrouvera demain. Et tous les clients, insiders, ainsi de suite,
les notifications elles vont arriver lorsque tout sera prêt, ben, ce sera là, ce sera fait, vous allez être notifié et demain je serai là-bas pour en parler. Ok, un grand merci à tous, excellente fin de week-end, bon dimanche après-midi, bon début de semaine et on se retrouve demain. Bye bye.